sûr. Et mercredi, FNG. Aujourd'hui, on va se faire un steak encore. Pas le steak à New York. Aujourd'hui, ça va être un Spencer. Là, il est encore en préparation. On va vous le montrer tantôt. C'est un Spencer Angus 3A, vieilli 28 jours. Vous allez voir, le persillage dedans, c'est vraiment débile. Ce qu'on va voir plus spécifique aujourd'hui, c'est les légumes. On va se faire un piment farci aux légumes. fait que le mélange de légumes, je ne sais pas si on peut voir, ça a la plaque ici un peu plus. Mm-hmm. Ce qu'on va farcir dedans, c'est ail, tomate, champignons, échalotes avec olive. On a coupé vraiment un petit morceau. L'idée pour dans le piment, c'est de mettre des légumes qui vont cuire rapidement parce que le piment cuit assez vite aussi. Fait que si on veut que tout arrive en même temps, c'est la façon de le faire. Fait qu'on va mettre dans notre piment. Je vais venir mettre un fond de bière rousse du Bocquière à Drummondville. Pour me donner un peu de saveur, poivre, on va faire cuire sur le barbecue directement. ensuite, on va faire des tranches d'aubergine. Que... on a un voisin qui tousse fort un peu. tranches d'aubergine. On vient mettre, juste quand je monte un petit peu, on trempe dans l'huile un peu. On vient mettre dans le breadcrumb, tout simplement. On les fait griller tantôt sur le grill quand on va être prêt. C'est plus à la fin parce que ça prend vraiment pas de temps à faire. Donc, piment farci aux légumes. Aubergine dans le breadcrumb. Puis ensuite de ça, on va se faire notre Spencer. Tantôt, je vais vous montrer. Donc, cool! Excellent! OK, on est rendu à mettre nos piments farcis. Regardez ce que ça donne. Hein, c'est vraiment cool. Génial. Donc, on fait juste là. Regarde, j'ai mis la plaque volcanique que je prends chez Vital, nos amis Vital encore, qui font de super épices patates légumes. Mm-hmm. Donc, on a juste déposé sur la plaque. On va faire cuire tranquillement. Je vous reviens un peu. Attendez-moi une seconde. Pendant ce temps-là, on regarde les beaux piments farcis. Ils sont vraiment géniaux. Comme je disais, on va mettre un peu de bière... mettre un petit peu de bière rousse. On y va directement. Une petite bière du Bocquière. On va venir mettre un peu de saveur de cette façon-là. Comme ça. Bon, on a notre papillote de patate, la même qu'on a faite l'autre jour. Là, c'est notre petite tradition. Là, mais patate, c'est pas les mêmes patates. Non, c'est pas les mêmes patates. Oui, j'ai mangé ça. J'ai regardé, ça fait 3 semaines. Mais... non, mais c'est soupe à l'oignon. L'épice bootlegger, le steak, porc, poulet. On mélange avec de l'huile. Puis là, c'est prêt pratiquement. Là. Donc, on fait cuire les piments. Je vais finir avec les aubergines qu'on a toutes saupoudrées déjà. Avec, oui. Ça va être cool. Fait qu'on va mettre tantôt, il va rester le steak à faire. Fait qu'on vous montre ça sur la table tantôt, on va monter les assiettes, puis on va aller souper. Excellent. Yep! Autour du steak. Regarde, une belle pièce ici de Spencer, qu'on peut voir, là, le persillage. C'est ça, du 3A, là, c'est ce que ça donne. Fait que moi, j'aime bien, on va venir huiler la viande. C'est ici. Sur les deux côtés. Elle est contente, on va amasser. Comme ça. On a décidé qu'on prenait de la Saskatchewan, de Traeger. On vient saupoudrer un peu de même. Vous comprenez ça? Oui. C'est de même. Sur les deux côtés. Là, ça revient. Et regardez-moi cette pièce de viande-là. Ouf! Ça, c'est bon? Super! OK, on y va comme ça. Juste avant de mettre le steak, j'aurais aimé... Non, on va y mettre le steak tout de suite. Les aubergines qu'on voit présentement. Ouais. Fait qu'on va faire saisir comme il faut. C'est ici. On va le faire saisir une minute et demie chaque côté environ. Puis on va le tasser ensuite. Pendant ce temps-là, aubergine sur la plaque. Hop, on fait le croisement, un de côté, un de l'autre. Comme ça. Hey, ça arrive pile. C'était prévu, hein? Ouais, on va dire. On voit la pièce de viande, on la fait saisir comme il faut le côté.
une minute et demie environ. On va faire pareil l'autre bord. On va venir tasser à côté. Je vais refermer le couvert encore. On va laisser cuire tranquillement. Puis on va le prendre à servir dans pas long. Cool. Bon, donc un autre mercredi FNG, les amoureux. On coupe la semaine en deux. C'est... Regardez ça l'assiette. Angus 3, là, c'est ouf. J'ai hâte d'y goûter. Donc, voici l'assiette que ça donne. Puis, appréciez ça. Puis, profitez-en tout le monde. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Bye et à la prochaine. Au prochain mercredi, FNG ou à la prochaine chronique. À la prochaine, ça se dit pas. Hein? À la prochaine. À la prochaine mercredi. Chronique. Non, j'ai un problème d'anglicisme des fois. Anglais, français. Je coupe ça là. À la prochaine. Bye.